Il est là, le premier grand moment de ces championnats d'Europe. Donc en français, bien entendu, on a vu tout à l'heure Lola Esbra et Andrei Novoselov qui se sont bien battus et bien débrouillés. Mais là, on parle non seulement de podium, mais pourquoi pas de titre. Alban frappe sur le pupitre pour donner un petit peu de courage et d'énergie. Vous les avez reconnus, évidemment. Vanessa James et Morgan Cyprès, les Français, on leur souhaite tous les bonheurs du monde. Allez, allez Vanessa et Momo. Yes. Ah. Yes. 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 Oh là là. Vanessa James et Morgan Cyprès, les Français qui ont tenu la barre, ont tenu les patins sur la glace. À part peut-être on va revoir ça. Un triple salto de justesse. Pour le reste, et puis c'est patiné, c'est inspiré. C'est inspiré. Mais parce qu'on sent qu'ils aiment leur programme, ils aiment ce qu'ils font, tous les mouvements sont vécus, ils sont. Et donc ils nous entraînent avec eux, c'est absolument magique cette progression qu'ils ont eu depuis 2 ans. Alors évidemment, tout le travail est à saluer, le travail qui a été fait en France avant de s'expatrier, mais c'est vrai que c'est comme un dernier petit coup de polissage, une petite couche de confiance et évidemment des conseils précieux sur les éléments, mais voilà, ça les a vraiment révélés et depuis 2 ans, ils sont. Sur une pente ascendante incroyable à chaque rendez-vous. À chaque rendez-vous, c'est vrai qu'on sent maintenant la fiabilité technique de ce couple. Il y avait forcément un peu de crispation. Je pense qu'ils ont entendu le score de Tarasov Morozov. Ils ont su qu'il y avait un petit boulevard pour vraiment bien se positionner avant le programme libre. Ça aurait pu les crisper. Il y a quelques années, peut-être que ça les aurait vraiment tendus. Et puis là, même s'il n'y a pas eu la qualité d'exécution pour aller chercher des plus 3 sur chaque élément, c'était suffisant pour aller prendre du vert sur chacun des sauts.
pirouette ou portée. Un tout petit peu raide sur réception de triple saco, mais ça il passe. Il était fait, ça il passe, était fait. Alors juste que un peu les sur Russes finissent sur les fesses sur le saut lancé et avec une main sur le saut parallèle, donc en relatif. C'est très très bien exécuté pour Vanessa et Morgan. Je dis juste ça parce que je me méfie beaucoup de Stolbova et Klimov. Ah oui, derrière et que voilà, faut pas laisser champion olympique la quand même, porte entrouverte. Oui, mais enfin, c'est pas comme s'ils étaient sur la meilleure alors plus haut niveau bien cette sûr, saison. Bien sûr, bien sûr, mais voilà. Ça c'est magnifique. Je suis d'un naturel trop optimiste, donc des fois je me réfrène. Voilà. Non, puis de toute manière, il restera un libre à patiner, oui. Mais en tout cas, ils ont. Démarrer comme il fallait démarrer, Vanessa et Morgan. Cette pirouette, elle est assez jolie, ouais, complètement désaxée comme ça. Et puis ils ont un petit peu tâtonné en début de saison pour trouver leur thème musical, les deux d'ailleurs. Et vraiment, ça leur colle à la peau, hein, ce blues. Ouais. Bah, ça fait 2 ans vraiment qu'ils ont des choix musicaux hors pair, qui leur vont bien, sur lesquels on les sent vraiment s'épanouir. Et ça aussi, ça contribue à la réussite technique. Hein. On disait tout à l'heure, quand on se sent bien dans son programme, l'artistique, la technique, ça va ensemble. Ils étaient beaucoup en puissance avant, ils ont un tout petit peu baissé. Ils ont gardé cette intensité, mais un tout petit peu rajouté de douceur, tout simplement cette virilité. Et ça les mène à cette première place, assez largement d'ailleurs, 75,52. Ils sont en tête de ce programme court, ils termineront au pire à la deuxième place, on espère la première, le programme court. Bravo Vanessa James et Morgan Cyprès.